Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du lion, signe de feu. Allons-y. Qu'est-ce qui est présent dans l'air pour le signe du lion? La nature. Au naturel. La nature, on aime la nature. On a peut-être besoin d'aller prendre une belle marche. En nature. La vie, la nature. On se reconnecte à la vie. Lion, signe de feu. Quel est le mot qui accompagne? Sans mots. Sans mots. On se connecte à la vie, c'est tout. On n'a rien d'autre à dire. La vie, la santé. Continuons. L'énergie de la vie. On aime la vie. On aime la vie. Continuons, Lion. Signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? La vie qui circule. La sève qui monte. Continuons, Lion. Signe de feu. Les érables qui vont couler. Éveil. Éveil, début, nouveau commencement en action. Le début, on débute quelque chose. On commence. Ici, on nous dit que j'ai les qualités, le potentiel, le talent pour accomplir ce nouveau projet. Je me mets en marche, en action. J'avance. Lion, signe de feu. Continuons, Lion. Eh bien, nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Un nouveau coup de cœur aussi. On est dans le début, dans le 1. Début d'une relation. Ici, avec la carte nouvel amour, on est bien. Hein? C'est la carte qui me dit qu'on peut s'exprimer librement. Nos émotions circulent bien. Il y a un dégagement en votre jeu. On a commencé avec la nature, la vie qui circule. L'eau ici, l'eau qui circule, l'eau, les émotions, il y a un apaisement ici. Notre couple est sur le point de déborder de joie, d'amour. L'arc-en-ciel, c'est un lien, un beau lien. Le début du lien, peut-être du lien avec soi-même, avec la vie en soi. La nature, les arbres, moi je me sens bien en nature. C'est rempli d'énergie, ça fait du bien. C'est reposant, énergisant. Lion, signe de feu. Victoire et succès, on a réussi quelque chose. On a réussi à accomplir quelque chose. Victoire et succès, continuons. Signe du lion, signe de feu. Prisonnier de la peur, on va l'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec prisonnier de la peur? Lion, signe de feu, on a le choix ici. Plusieurs possibilités devant soi. Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir ou qui est-ce qu'on va choisir? On va voir. Continuons, continuons. Bon, là, on a commencé avec la numéro 1. On débute quelque chose. On commence un nouveau cycle, bien concrètement. J'ai les outils, j'ai les capacités, le talent, je suis prête à amorcer ce nouveau projet. On me présente ici peut-être un nouveau projet, oui, qui nous stimule, qui nous fait vibrer dans le cœur, au niveau du cœur. Il y a coopération ici, coopération. On peut nous parler aussi, comme je le mentionnais, d'un nouvel amour là, qui nous fait un beau coucou. Victoire et succès. C'est une belle carte aussi, c'est une carte de réussite. Prisonnier de la peur, là, celle-ci me parle d'enfermement, un blocage. On se sent dans l'incapacité d'agir et ici, on a le choix.
On ne sait pas quoi choisir. On a peur, on rencontre la peur de se tromper. On a le choix, on a peur de se tromper. Lion, signe de feu. On a peur de faire le mauvais choix. On a le choix devant soi et on a peur de se tromper. Je pense que c'est ça. Pourtant, on est dans le 1, on est prête à passer à l'action, mais c'est la peur de se tromper, on dirait qu'il vient nous freiner. On a commencé avec la carte de la nature, au naturel, être au naturel, vrai, la nature, vrai. En relation, quand on est vrai, c'est voué au succès. En tout cas, pour soi, on est vrai. Si ce que je suis ne convient pas à l'autre, bien, c'est tout. Moi, j'ai été honnête, j'ai été vraie. Je me suis montrée telle quelle, telle que je suis. Donc là, je vais explorer prisonnier de la peur. Pour le signe du lion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici en ce jeu? La pie. La pie. La pie, la pie. La pie qui nous parle de quoi? D'abus de confiance. Donc ici, prisonnier de la peur, abus de confiance. La pie raconte toutes sortes d'histoires, de fausses histoires. La pie peut nous parler de quoi? D'énergie, de... d'infidélité, de vol. Mais là, en ce jeu, je pense qu'on me parle de quoi? De faux. Il y a quelque chose de faux ici. Est-ce qu'on a dit des faussetés? C'est étrange parce qu'on a commencé avec la nature, le vrai. Et le blocage, la prison, se situe avec la pie. La pie. Est-ce qu'on s'est emprisonné soi-même dans nos mensonges avec la pie? La pie qui raconte toutes sortes de fausses histoires, là, qui peut nuire à la réputation. Elle parle. Des fausses histoires avec la pie. On dirait qu'on s'est piégé avec la pie. À vous de voir, la pie, si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de vous ou si c'est vous-même. Mais il y a comme, on dirait qu'on s'est enfermé avec les comportements de la pie. On s'est enfermé soi-même. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on nous propose d'être vrai avec la nature. C'est vrai, ça, la nature. L'énergie de la vie. Être vrai. On dirait qu'avec la pie, avec des comportements qu'on a pu avoir, on s'est enfermé soi-même. On s'est piégé soi-même avec la pie. Je vais vérifier la carte mouvement, choix, décision. On a le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour le signe du lion. On surveille. On surveille. On cherche de l'information. Ou on est surveillé. Là, écoutez. Là, c'est certain que c'est la carte prisonnier de la peur. Mais moi, je ne sais pas là, qui est ici. Prisonnier de la peur, là, est-ce qu'on nous parle? On pourrait bien penser là, avec la carte de la pie et la carte prisonnier de la peur. On pourrait penser ici à une personne qui a fait preuve de manipulation, de ruse. Une personne qui... Oui, qui a été rusé. Ici, avec la pie, on peut parler de vol. Donc là, moi, je ne sais pas si on me parle de la prison concrète ou pas. Je ne sais pas. On pourrait avoir peur de ça. Parce qu'on aurait nuit, on a... C'est la carte du vol, de l'escroquerie ici. Mais moi, je ne sais pas qui est là. Ici, ce serait facile pour moi aussi de penser que je suis sous investigation.
On me surveille. Mais si je ne vais pas dans ce sens-là, si je ne vais pas dans les histoires de prison, d'enfermement, là, ou d'escroquerie, bien, je pourrais tout simplement penser que je ne me suis pas révélée telle que je suis. Et j'ai dit des bêtises, j'ai nui à la réputation d'une personne. Parce que je voulais gagner son cœur. J'ai raconté des histoires à son sujet. Parce que je voulais gagner son cœur. Je voulais décourager les autres. Ça se pourrait aussi. C'est quand même le magicien, hein? Le magicien qui joue des tours. La carte de l'éveil. On surveille ici, on surveille les options, on surveille. On a une décision à prendre. Et ici, bien, on a peur, on se sent dans l'incapacité d'agir. La pie, prisonnier de la peur, la pie. On dirait qu'on s'est piégé soi-même. Moi, c'est là-dessus que je reviens. On dirait qu'on s'est piégé soi-même en disant des mensonges, des faussetés. Ici, on nous rappelle l'importance d'être vrai avec la nature, l'authenticité. Donc là, ici, on regarde la carte révélation. C'est une carte qui me dit aussi qu'une révélation, une vérité, je découvre une vérité. Je fais des recherches peut-être. Je découvre une vérité. Je vais clarifier. Je cherche. Je surveille. Je cherche qui? Je cherche quoi? On a commencé pourtant avec la carte du nouvel amour qui me fait signe. En mode recherche, en mode surveillance ici, surveiller, mode recherche, mouvement, choix, décision. J'ai une décision à prendre, peut-être concernant le lien du nouvel amour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier. Mouvement, choix, décision. Pour l'instant, je surveille. C'est ce qu'on dit. Je surveille. C'est important ici de regarder aussi c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Peut-être que c'est aussi ça là, que je suis en train d'explorer à travers des rencontres, hein, peut-être. J'ai le choix. Mais il y a un nouvel amour ici qui me fait signe. Je vais clarifier encore la pie et prisonnier de la peur parce qu'on dirait que ça me met un frein. Conflit mental. Ouais, incapacité d'agir. On est préoccupé. La pensée agitée. Anxiété. C'est en lien avec la pie. Donc là, je ne sais pas ici comment vous avez agi, mais ici, on est en conflit. Anxiété, incapacité d'agir avec la pie. Donc, on reste en mode surveillance. On épie. Mouvement, choix, décision. On ne sait pas quoi faire, mais on ne sait pas quoi faire et à la fois, on se sent dans l'incapacité d'agir. On nous parle de vérité ici, de vrai. Je vais vérifier mouvement, choix, décision. C'est comme si on avait peur que la personne découvre une vérité. C'est ce qui me traverse l'esprit. On a peur que qu'une personne découvre la vérité. On surveille. Ça me traverse l'esprit. On souffre en silence. Donc, il y a quelque chose ici. D'après moi, on a agi d'une façon qui n'a pas aidé à un certain lien, qui n'a pas aidé à un lien. Qui n'a pas aidé la carte du nouvel amour qui s'est présentée. On souffre ici. Je pense qu'on a agi. On souffre. On souffre en silence. Je vais juste vérifier la carte du nouvel amour.
La carte du nouvel amour, du ensemble. La fin. La fin. Transformation. Donc, j'ai l'impression aussi, ce qu'on me présente, c'est qu'on a laissé passer une occasion. C'est la fin. Changement. Il y a une relation aussi qui est appelée à vivre une transformation, un changement. Et on souffre. On reste à l'écart, on surveille, mais il y a quelque chose ici qui fait qu'avec la pie, conflit mental et prisonnier de la peur, je pense qu'on s'est piégé soi-même dans des fausses histoires et on ne sait pas comment agir maintenant. Et pourtant, la numéro 1 est une carte d'action. Ici, c'est une carte, une relation qui est appelée à vivre une transformation. Donc, on laisse derrière soi, avec la carte de la fin, c'est une carte de changement. Si on nous parle toujours de la même relation, elle est appelée à se transformer. Peut-être pour aller vers du vrai, la nature. Je vais la clarifier, la carte de la fin. Patience et planification, bien, ça va prendre du temps pour reconstruire le lien, le rebâtir. Cette fois, il va falloir le construire sur du vrai. C'est ce qu'on nous suggère, d'après moi, avec la carte de la nature. Ça va prendre du temps. Il va falloir faire preuve de patience pour reconstruire un lien. Je vais piger un message de l'univers. Mais on semble être prêt, prête. À reconstruire, à débuter un nouveau cycle. Ici, la carte s'ouvrir en silence te dit, es-tu prête? Es-tu prêt à laisser derrière toi là, tes inquiétudes qui te font souffrir? Mais en même temps, il y a quelque chose. On s'est piégé soi-même en ce jeu, en ces mensonges. Et avec la pie, bien, c'est une carte qui exprime la médisance, les ragots, des fausses histoires. Je vais clarifier, on a fait le magicien, on a joué un mauvais tour ici. Et là, ça va prendre du temps pour reconstruire un lien. Le lien est appelé à se transformer. On va piger une carte, un message de l'univers pour le signe du lion, signe de feu, pour terminer. Lion, signe de feu, un message de l'univers. Je laisse aller mes soucis personnels. Donc, ici, on te le demandait si tu étais prête à laisser aller tes soucis. Ma vie s'agrandit et je mets toute mon énergie à servir et à donner. C'est là la vraie source de mon bonheur. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause, signe du lion, et je vous souhaite une excellente journée.